C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle invitation au voyage. Comme chaque jour, on vous embarque maintenant pour un tour du monde en trois étapes. La première, en Normandie, avec la comtesse de Ségur. Dans cette campagne bien verte, elle a écrit les plus grands succès de la bibliothèque Rose. Le plus célèbre, vous le connaissez, c'est Les Malheurs de Sophie. Sophie, c'était le prénom de la comtesse. Pourtant, je peux vous garantir qu'en Normandie, Sophie a été particulièrement heureuse et ça a même redonné du sens à sa vie. Tous les chemins mènent à Rome, pouvait-on dire du temps d'Auguste, mais pas besoin d'aller en Italie pour s'en rendre compte. Pour vous le prouver, je vais vous emmener dans l'une des plus petites capitales européennes, Ljubljana, c'est en Slovénie. Petite par la taille, mais immense par l'héritage laissé par les Romains. Nous ferons halte également à Séoul, la capitale ultra high-tech de la Corée du Sud. Pour en voir un autre visage, nous irons dans l'un des cinq palais royaux de la ville, celui de Cheongdok, l'un des endroits les plus apaisants. Enfin, apaisant, pas pour tout le monde. Je vais vous raconter l'histoire d'un Hollandais qui n'a vraiment pas apprécié le séjour, ça sera l'incontournable. Bienvenue à bord, installez-vous confortablement, le décollage, c'est maintenant. Elle a 19 ans quand elle arrive en France, la comtesse de Ségur. Elle va longtemps regretter sa Russie natale et c'est en Normandie qu'elle va en retrouver les sensations perdues. Et bien justement, c'est notre première invitation au voyage. Les forêts, les prairies, les champs et les rivières jalonnent le pays douche en Normandie. En été, la campagne devient verte, exubérante et généreuse. Au XIXe siècle, les aristocrates y viennent déjà en villégiature pour échapper à la trépidante vie parisienne. À l'instar de la comtesse de Ségur. Russe d'origine mais exilée en France, Sophie Rostopchine découvre cette région dans les années 1820. Mariée à 20 ans avec le comte Eugène de Ségur, elle se sent étouffée à Paris, rêve de campagne et d'air pur. Elle découvre avec délices cette campagne qui lui rappelle la Russie de son enfance. C'est dans cette Normandie à la fois joyeuse, truculente et conservatrice qu'elle regardera grandir ses 8 enfants. Et c'est ici aussi, une fois devenue grand-mère, qu'elle s'adonnera à l'écriture, dédiant à ses petits-enfants ses livres les plus célèbres, Les Malheurs de Sophie, Les Petites Filles Modèles et Les Vacances. Quand la comtesse de Ségur découvre le château des Nouettes, il n'a pas encore son allure cossue d'aujourd'hui. Il ressemble à une belle maison de maître sans prétention. Mais ce qui plaît surtout à l'écrivain, c'est l'environnement boisé, la promesse d'une vie au cœur de la nature. C'est à la faveur d'une promenade en voiture, attelée à des chevaux, que le comte et la comtesse de Ségur ont vu ce château qui était à vendre. Mais malheureusement, le couple était désargenté, ne pouvait pas en faire l'acquisition. Et ce n'est que quelques mois plus tard où M. Rostopchine, qui aimait beaucoup sa fille, a voulu lui faire plaisir et lui a offert la somme nécessaire à l'acquisition de cette propriété. De 1821 à 1872, elle y passera tous ses étés et parfois bien davantage. La romancière puisera dans le bonheur de ses longs séjours normands l'inspiration pour écrire ses livres, dont les intrigues se déroulent dans un rayon de quelques kilomètres autour de la propriété. La propriété, c'était à la fois le château que l'on voit, mais c'était aussi des fermes, des champs, des bois. Ce qu'on trouvait dans le parc à l'époque de la comtesse de Ségur et ce qu'a retenu l'histoire, ce sont les bouleaux qui ont rappelé immédiatement à la jeune Sophie de Ségur sa Russie natale. Mais il y avait d'autres essences. On sait notamment qu'il y avait des chênes, il y avait des pins, et puis il y avait toutes les odeurs d'herbes coupées, de foin, et puis les fleurs des champs, les marguerites, les bleuets, comme on disait à l'époque, on ne disait pas les bleuets, les coquelicots, que les fillettes coupaient, et donc elles se faisaient des petites couronnes. Le parc des Nouettes, seule partie de la propriété encore accessible aujourd'hui, est un formidable terrain de jeu pour les enfants,
dont on retrouve l'écho dans les livres de la comtesse de Ségur. L'écrivain s'inspire de sa propriété pour en faire le château de Fleurville dans ses ouvrages. C'est seulement à l'âge de 57 ans qu'elle commence à publier les histoires qu'elle a plaisir à raconter, le soir, à ses petits-enfants. Les enfants continuèrent leur promenade. On mena les cousins au potager, où ils passèrent en revue tous les fruits, mais sans y toucher. Puis à la ferme, où ils visitèrent la vacherie, la bergerie, le poulailler, la laiterie. Ils étaient tous heureux. Ils ne rentrèrent que pour dîner. La promenade leur avait donné bon appétit. Ils mangèrent à effrayer leurs parents. Le dîner fut très gai. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve toujours dans l'œuvre de la comtesse de Ségur. Le bonheur d'être ensemble se double du bonheur de déguster de bons produits. Tout cela, Madame de Ségur l'a vécu dans la réalité et l'a sublimé pour en parler dans ses livres et nous présenter une petite société enfantine idéale, pleine de fantaisie. Les livres de la comtesse de Ségur font immédiatement le succès de la toute jeune Bibliothèque Rose. Le ton vif, les nombreux dialogues et une certaine espièglerie emportent les lecteurs dans un petit monde enchanté. On n'imagine pas les nouettes et Fleurville autrement que sous le soleil. Dans ses ouvrages, Madame de Ségur nous montre une famille vivre aux nouettes dans un éternel été. On n'évoque jamais de pluie, il fait toujours beau. La comtesse de Ségur ne vit pas recluse dans son château des Nouettes. Elle aime profiter du beau temps pour arpenter la campagne. Elle se rend à pied au village de Aube, à moins d'un kilomètre de sa propriété, pour assister à la messe du dimanche. L'église de Aube est relativement récente, elle date du XVIe siècle. Elle est très typique de l'architecture de la région. Et sa particularité, c'est que le fils de la comtesse de Ségur, Gaston, qui était ecclésiastique, a consacré une partie de son héritage à rénover l'intérieur de l'église. C'est la raison pour laquelle on trouve les armes de la famille Ségur à l'intérieur de l'église. Et il faut savoir aussi que Gaston, qui était artiste peintre, a réalisé le tableau de Notre-Dame de l'Assomption qui se trouve au-dessus de l'autel. Dans cette Normandie du XIXe siècle, la religion catholique et la pratique religieuse sont solidement enracinées dans la société. Madame de Ségur venait régulièrement rencontrer Monsieur le curé, comme on disait à l'époque, Monsieur le curé étant la référence morale du village, qui indiquait à l'occasion à Madame de Ségur quelle personne se trouvait en difficulté, quelle personne elle pouvait être susceptible d'aider, voire de soigner, parce qu'on sait que Madame de Ségur aimait beaucoup faire profiter les autres de ses qualités d'homéopathe et en quelque sorte de guérisseuse. Cette charité chrétienne est au cœur de ces récits. Les jeunes héros sont punis quand leur comportement n'est pas conforme à l'attitude d'un bon catholique et au contraire récompensés quand ils agissent avec bonté. Un petit musée consacré à l'écrivain occupe justement l'ancien presbytère. Parmi les trésors de ce musée, un portrait d'Olga, l'une des filles de la comtesse de Ségur, dessiné par son frère Gaston. On y trouve toutes sortes de souvenirs de la famille de la comtesse de Ségur. Et tout particulièrement des joujoux d'enfants, comme disait Madame de Ségur. Des jouets, de petites filles modèles, des poupées. Témoin de son temps, la comtesse de Ségur fait vivre à travers ses écrits les mentalités de la noblesse et de la vie paysanne dans ce pays douche du XIXe siècle. À Aube, la Rille longe le village. Sur son chemin, non loin de l'église, l'écrivain rencontre les habitants, les paysans et même les ouvriers. Alors nous sommes à la forge. Imaginez-vous des centaines de personnes qui s'activaient quasiment jour et nuit, tous les jours de la semaine, pour fabriquer un fer qui était fabriqué ici sur place pour les besoins locaux. Ce site de la métallurgie normande a fonctionné du XVIe siècle jusqu'au milieu du XIXe, grâce à l'installation de moulins à eau sur la Rille.
Le fer produit ici servait à confectionner des objets du quotidien. Et la construction et le développement des villages se faisaient autour des rivières, soit pour des forges, soit pour des moulins. Donc en l'occurrence, pour Aube, c'était la forge, puisque nous avons un grison, une pierre qui contient un fer de très mauvaise qualité, mais qui contenait pour l'époque le fer nécessaire pour la construction. Dans La fortune de Gaspard, paru en 1866, la comtesse de Ségur s'inspire de la forge de Aube et de son propriétaire. Je suis attendue chez Monsieur Ferréor. Ses affaires marchent joliment. Bonne fabrication, les ouvriers bien payés, les jeunes gens capables y font bien leur chemin. J'en connais qui se font une fortune magnifique. Rappelons-nous, Monsieur Ferréor, le monsieur qui transformait le fer en or. Et on peut s'imaginer donc la comtesse, avec son côté social et son côté affectif pour la population, venir rendre visite aux personnes qui travaillaient ici tous les jours et être admirative de cette technique qui transformait du fer, non pas en or, mais qui rendait le propriétaire des forges, monsieur, la famille Monchel, bien plus riche que les personnes qui vivaient autour. En suivant la Rille, à 7 km de Aube, se dévoile l'Aigle, la ville la plus proche du château des Nouettes, celle par laquelle la comtesse de Ségur transite en diligence en arrivant de Paris. Ici aussi, c'est la Rille qui a permis le développement de la commune dès le XIe siècle. La Rille servait aussi d'abreuvoir aux animaux, y compris dans la ville, dans l'enceinte de la forteresse. Donc la Rille, c'est vraiment la vie, l'eau. Sur la place centrale de l'Aigle se tient toujours un grand marché, le mardi, comme à l'époque de la comtesse de Ségur. L'écrivain apprécie plus que tout les victuailles et les bons produits de cette généreuse terre normande. Ses provisions, elle les fait porter à l'âne Cadichon, le narrateur des Mémoires d'un âne. Tous les mardis matins, il y a dans la ville de l'Aigle un marché où l'on vend des légumes, du beurre, des œufs, du fromage, des fruits et autres choses excellentes. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous avez déjà des groseilles, c'est vrai qu'elles commencent à mûrir, les groseilles. Donc c'est bien appétissant. Madame fait partie des petits paniers. On appelait ça comme ça autrefois. À l'époque de la comtesse de Ségur, le marché, c'était un marché de personnes qui venaient vendre leurs produits, ce qu'on appelait encore, il y a peu de temps, les petits paniers. Et des petits paniers, on en a connu jusqu'il y a à peu près 10 ans. À l'époque, c'était des produits laitiers, le camembert. Il y avait les œufs, le beurre, puisque c'est une région quand même essentiellement agricole. 3,20, ça fait 5,90, s'il vous plaît. La gourmandise de l'écrivain est trahie par la jeune héroïne des Malheurs de Sophie, qui salive si souvent devant la crème et les fruits confits. Si je grignotais un tout petit morceau de chaque fruit, je saurais le goût qu'ils ont tous. Je saurais lequel est le meilleur et personne ne verrait rien, parce que j'en mordrais si peu que cela ne paraîtrait pas. Et Sophie mordit un morceau d'angélique, puis un abricot, puis une prune, puis une noix, puis une poire, puis du cidre. Ce marché comble l'appétit de la comtesse de Ségur, mais alimente aussi son œuvre. La comtesse de Ségur aimait bien les petites histoires. D'ailleurs, on en retrouve beaucoup dans ses livres. L'anecdote, le petit événement qui s'est passé hier ou avant-hier, les inondations, et c'est tout, quoi. C'est la vie d'une ville. En 1872, vieillissante et endettée depuis la mort de son mari, la comtesse de Ségur doit se résoudre à vendre sa chère demeure des Nouettes. Près d'un siècle et demi plus tard, la campagne bucolique du Pays d'Ouche reste pour les habitants, comme pour les lecteurs, le décor éternel d'un petit paradis de l'enfance. Et qui sait, peut-être qu'aujourd'hui encore, l'esprit de la comtesse de Ségur flotte sur cette campagne. Car la Normandie est aussi une terre de fantômes. C'est l'encadré de Thomas Chauvineau.
Dans la Normandie de la comtesse de Ségur, les fantômes existent. Le pauvre Blaise en a vu, il le jure dans le cimetière. Il a même failli étrangler son poteau Jules. C'est que dans le coin, ils ne sont pas commodes, les fantômes. Tenez, prenez l'abbaye de Mortemer, dans le Vexin. On raconte qu'ici, un fantôme a fait fuir une jeune fille saine d'esprit après l'avoir importunée toute la nuit. Et vas-y, que je te retourne les tableaux de la chambre, que je te fais claquer les pincettes à feu. En 1921, la famille Delerue, propriétaire du château, fait même venir un abbé pour chasser le démon. C'est l'exorciste, en version normande. Sans succès, apparemment, puisque les propriétaires actuels le racontent à qui veut l'entendre, cette abbaye reste hantée. Mathilde rôde là depuis le XIIe siècle. Petite fille de Guillaume le Conquérant, grand-mère de Richard Cœur de Lion, elle s'est retrouvée enfermée dans ses murs pour avoir tenté de ravir la couronne à la reine d'Angleterre et aussi à cause de ses mœurs dissolues. Il paraît qu'elle est toujours là. Et malheur à vous si vous la croisez et qu'elle a des gants noirs. Ouh là là, ça porte malheur. Si les gants sont blancs, en revanche, alors là, ouf, tout va bien. Vous pouvez rire, mais les superstitions ont le vent en poupe. En Allemagne, 42% des habitants s'attendent au bonheur après avoir trouvé un trèfle à quatre feuilles. Et 54% des Français croient aux fantômes, y compris des esprits bien faits. Victor Hugo est persuadé d'être entré en communication avec sa fille disparue, et le président, François Mitterrand, croyait en, je le cite, « les forces de l'esprit ». Les Chinois ont leurs histoires de fantômes, comme les Normands. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, les fantômes ont le mérite de faire apparaître un passé qui ne passe pas. Dans cette abbaye de Mortemer, par exemple, rôdent aussi les esprits de quatre prêtres assassinés pendant la Révolution française. Depuis, il paraît qu'ils picolent du vin de messe au goût de sang, à la cave, comme pour dire « n'oubliez pas cette zone d'ombre de l'histoire ». L'ectoplasme est donc bien utile, alors s'il vous plaît, ne tirez pas sur le fantôme, il est de toute façon déjà mort. Invitation au voyage, c'est tous les jours, un tour du monde sans avoir besoin de boucler les valises. Et dans quelques instants, nous irons à Séoul, au palais royal de Changdeok, le palais des vertus prospères. Ne soyez pas surpris d'y voir des Coréens en tenue traditionnelle, c'est leur façon à eux de rendre hommage au lieu quand ils s'y rendent. Mais nous, c'est une histoire de Hollandais tout nu qui va nous intéresser aujourd'hui. Ça sera l'incontournable. Mais avant de pratiquer notre coréen, je vous emmène en Slovénie. Il y a comme un air de Rome là-bas. Des thermes, des statues, des stèles antiques. L'Empire romain a façonné le pays. C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Il y a ici comme un air de Rome antique, avec ses vestiges incrustés un peu partout dans le centre-ville. Pourtant, nous ne sommes pas en Italie, mais un peu plus à l'est, en Slovénie. Ce petit pays des Balkans regorge de témoignages de l'époque romaine. On a des vestiges partout sous les bâtiments du centre-ville. Alors quand on doit y faire des travaux, quand on creuse, même pour des travaux mineurs, on trouve tout le temps des ruines romaines. Entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ, la Slovénie actuelle est à la croisée des chemins entre l'Est et l'Ouest de l'Empire romain qui s'élargit sous l'effet des conquêtes des empereurs successifs. Auguste, puis Tibère, vont émailler cette province impériale de Pannonie, de nouvelles cités. Et la région s'impose peu à peu comme un carrefour militaire et commercial de l'Empire. De Ljubljana, la capitale actuelle, à Ptuj, les traces de cette époque habitent toujours les lieux. Mais cet héritage n'est pas qu'une histoire de vieille pierre. Les Slovènes ont aussi gardé de leur passé romain un plaisir hédoniste. Se détendre dans des thermes, grâce aux sources d'eau chaude découvertes il y a 2000 ans par les habitants de l'époque. Ljubljana est réputée pour sa dolce vita à l'italienne. Dans la capitale slovène, on flâne sur les berges de la rivière en admirant l'architecture néoclassique et les vestiges romains du centre-ville. Car la plus petite capitale d'Europe s'est construite sur les restes de son ancêtre, Emona,
bâti du temps de l'empereur Auguste, qui lance en l'an -35 la campagne d'Illyrie pour repousser les frontières de l'Empire. On a trouvé une pierre gravée qui atteste que les empereurs Auguste et Tibère ont financé les murailles et les tours défensives de la ville d'Emona. Lors de ses conquêtes vers le Danube, Auguste établit sur son chemin des colonies romaines. Au cœur de cette province de Pannonie, Emona est une véritable cité-forteresse et devient la base arrière qui doit permettre de protéger l'Empire contre les incursions des tribus locales, les Illyriens. Cette partie sud des murs d'enceinte est préservée sur une bonne longueur, quasiment 300 mètres. Ça permet de se rendre compte des dimensions de la ville romaine. Ici, derrière les murailles, il y avait une zone dédiée à la défense de la ville. Et après, à l'intérieur de la ville, il y avait des maisons et la place centrale, le forum. Derrière la forteresse, les légionnaires construisent, selon le plan romain habituel. La ville d'Emona était une ville romaine typique. Elle était rectangulaire avec des routes perpendiculaires et des habitations. Elle avait sa propre administration et était dirigée par les gens qui y habitaient. La cité attire les commerçants qui viennent ravitailler les légions et la ville grossit et s'enrichit. Au sein des murs d'Emona, on trouve aujourd'hui le quartier de l'université qui laisse apparaître le passé romain de la ville comme cette villa ayant appartenu à un riche commerçant. Preuve de l'opulence de l'endroit, elle dispose de thermes privés. Ici, on peut voir trois petites piscines. Il faut les imaginer remplies d'eau. Cette eau pouvait être chaude ou froide. Et toutes les piscines étaient équipées de systèmes d'évacuation qui emportaient les eaux usées jusqu'au réseau d'égouts qui passait près de la maison. Un four en briques permettait de chauffer l'eau et certaines pièces de cette villa. Après Auguste et Tibère, son beau-fils qui règne de 14 à 37 après Jésus-Christ, l'expansion de l'Empire romain se poursuit vers l'est de la Pannonie et d'autres villes-étapes rejoignent l'Empire. Parmi elles, Touille. Aujourd'hui, c'est un petit bourg médiéval de 24 000 habitants, une ville calme de l'est de la Slovénie. Mais au 1er siècle après Jésus-Christ, la cité romaine de Poetovio compte deux fois plus de citoyens et profite de sa position géographique pour devenir un carrefour d'échange de marchandises entre les provinces romaines. Poetovio est placé sur la route de l'ambre, où il y avait beaucoup de commerce, beaucoup de trafic, beaucoup de circulation. On sait que c'est grâce à cette circulation de marchandises et puis de tous ces gens-là qui voyageaient avec que la ville était importante et riche. À la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, Poetovio devient même le poste de douane principal entre l'ouest et l'est de l'Empire, qui à cette époque s'étend jusqu'en Syrie. Jusqu'alors simple ville-étape, elle est promue par l'empereur Trajan en 103 après Jésus-Christ. Trajan ou Trajan donne à la ville le droit de s'appeler Colonia Ulpia Trajana. Ça veut dire que ça devient une ville, officiellement une ville de l'Empire romain. La rue principale de Ptouille a conservé le tracé de l'ancienne voie romaine par laquelle transitaient les légions et les marchandises. À l'époque, les bas-côtés étaient ornés des stèles funéraires des personnages importants de la ville. Sur la place principale, un de ces monuments se dresse toujours fièrement.
C'est la plus imposante, la plus importante certainement, la plus grande aussi. Et puis elle est très très ancienne. Elle a été érigée pour désigner en fait la tombe du premier maire, si vous voulez, de la ville de Puerto Viejo. Les gens d'Optuy ne savent même pas forcément que c'est une stèle funéraire, mais tout le monde ici appelle ça le monument d'Orphée. Pourquoi d'Orphée? Tout simplement parce qu'il y a la scène principale, c'est Orphée qui pleure son Eurydice. Dans ce mythe grec, Orphée va chercher sa femme Eurydice dans les enfers, dans l'espoir de la ramener à la vie. Sur ce monument funéraire, il symbolise la Renaissance. Partout ici, des vestiges romains ont été intégrés aux constructions, une sorte de musée en plein air qui permet d'admirer des pierres millénaires en se promenant dans le centre-ville. Dans un souci de préservation, même le beffroi de l'église contient dans ses murs les témoignages de cette époque romaine. En quittant le centre-ville, on découvre un héritage méconnu. Les vestiges d'une religion mystérieuse qui se propage dans l'Empire grâce aux esclaves et aux légionnaires de retour des confins orientaux. Adapté d'une religion perse monothéiste, le culte du dieu Mithra se répand comme une traînée de poudre. Rien qu'à Ptouille, on a découvert 5 temples de Mithra dans lesquels on pratiquait cette religion secrète, réservée aux citoyens de sexe masculin. En général, tous les temples sont organisés de la même façon, c'est-à-dire vous rentrez et comme si vous descendez un peu l'escalier, on descend un tout petit peu comme dans la grotte. Et ensuite, il y a la nef principale, si vous voulez, ou la pièce principale. Et puis sur les côtés, c'est des espèces de podiums où les gens s'installaient. Donc ils étaient un peu allongés, un peu à la romaine, hein, comme on voit des fois dans les films. Ils consommaient leur repas. Si on a du mal à cerner les contours précis de cette religion, la découverte de ces temples a permis d'en savoir plus sur ses adeptes. Les pierres qui sont derrière moi, donc toutes ces pierres votives, c'est des légionnaires qui les ont dédicacées. Ils souhaitent une longue vie à leur empereur ou pour remercier. Et c'est ainsi qu'on sait donc qu'il y avait beaucoup de soldats, donc de légionnaires qui étaient adeptes de la religion de Mithra. Rome tolère le mithraïsme, mais ne reconnaît pas ce dieu unique solaire. Le rite de Mithra se pratique clandestinement. Pour célébrer la fondation du monde, les disciples partageaient un taureau sacrifié, animal sacré qui féconde la terre. Tous les autels étaient exactement pareils, mais l'image de Mithra sacrifiant le taureau est partout la même. Derrière moi, on peut voir l'autel. Et donc, il y a le taureau qui est par terre. Mithra, il pose son genou gauche sur ses épaules et le poignarde. Les soldats romains ne se contentent pas de répandre une nouvelle religion en Pannonie. En parcourant les collines verdoyantes de l'est de cette province animée, les légionnaires découvrent une multitude de sources chaudes. Ces grands amateurs de bains chauds en profitent pour créer les premières stations thermales de Slovénie, comme ici, à Toplice. La zone était assez peuplée à l'époque romaine. Une route passait en bas et une légion était en stationnement ici. Ce sont ces légionnaires qui ont trouvé les sources utilisées ensuite par les soldats et les riches citoyens romains de l'ancienne ville de Céléa, près d'ici. Les deux sources découvertes en l'an 39 après Jésus-Christ vont permettre d'établir ici des thermes. On peut imaginer les soldats romains, les citoyens romains, des sénateurs marcher ici et profiter des bienfaits de l'eau thermale. Pendant la construction des thermes actuels au XIXe siècle, des vestiges ont été retrouvés sur le chantier, notamment des stèles votives en marbre dédiées à une déesse romaine méconnue. La déesse Valetudo, c'est la déesse de l'eau. Et les Romains croyaient que s'ils obtenaient une guérison miraculeuse grâce à l'usage de l'eau, c'était le fait de cette déesse.
Donc après leur guérison, ils offraient une pierre votive pour signifier leur reconnaissance à la déesse. Ils utilisaient du marbre, donc c'était probablement des riches citoyens romains. En fait, c'était comme un livre d'or romain. L'attrait de ce lieu perdure bien après l'occupation romaine et jusqu'à aujourd'hui. En annexant la province de Pannonie, les Romains auront façonné des routes, des villes et une culture qui rayonne au fil des siècles et que le voyageur ressent encore aujourd'hui au gré de ses promenades en Slovénie. Les Romains ne sont pas allés jusqu'en Corée, mais les Hollandais l'ont fait. Parfois bien malgré eux. Je vous emmène maintenant à Séoul, à la découverte de l'un des 5 palais royaux de la ville, Changdeok, et son jardin secret. Mais ce n'est pas le seul secret. Et vous allez voir, le mystère vient parfois de loin dans l'incontournable. Dans cette capitale ultra-moderne, vous pouvez pourtant vous offrir un voyage dans le passé. Au palais de Changdeok, à Séoul. Sachez qu'il est de bon goût de revêtir les habits traditionnels coréens. C'est la meilleure façon de rendre hommage au faste de la dynastie Joseon. Elle a gouverné le royaume du 14e au début du 20e siècle. À l'époque, des milliers d'érudits, de soldats, de concubines et d'eunuques servaient la famille royale dans cette cour florissante. Son jardin enchante les visiteurs. Longtemps interdit, il était réservé exclusivement au roi. Incontournable palais royal de Séoul qui cache une toute autre histoire. Celle de l'infortune d'un Hollandais au XVIIe siècle. Il va faire découvrir le pays du matin calme à l'Occident. Installé en Corée du Sud depuis plus de 30 ans, Henny Savenay est Hollandais lui-même. Il retrace le dessin exceptionnel d'Hendrik Hamel. Les Coréens ne savaient pas grand-chose de ce qui se passait en dehors de chez eux. Ils ne quittaient pas leur pays. Ils commerçaient avec le Japon, mais c'était surtout les Japonais qui venaient en Corée. Ils faisaient aussi des affaires avec les Chinois. Le pays, fermé aux Occidentaux, fait presque figure de terra incognita, y compris pour les Hollandais dont l'empire commercial s'étend pourtant jusqu'en Asie. La compagnie néerlandaise des Indes orientales a obtenu un monopole avec le Japon voisin. Voilà pourquoi, le 30 juillet 1653, l'un de ses navires quitte Taïwan pour l'archipel Nippon, la cale chargée de marchandises. Mais l'équipage est pris dans une terrible tempête. La moitié des hommes périssent, et les 36 survivants, parmi lesquels Hendrik Hamel, trouvent refuge sur l'île de Jeju, une dépendance du royaume de Corée. Au départ, ils pensaient qu'ils étaient arrivés en Chine et ils avaient peur d'être tués. 3 jours plus tard, ils ont finalement été découverts sur leur petite plage par des Coréens. L'un des marins hollandais a été assez courageux pour monter demander du feu en échange de son arme, car ils avaient froid. Beaucoup d'entre eux étaient nus. Un interprète, Yon Pak Sang, est dépêché pour communiquer avec les naufragés. Il est lui-même hollandais. Son navire a fait naufrage 27 ans plus tôt et il n'a jamais pu quitter le pays. Hendrik Hamel et ses compagnons d'infortune comprennent vite que le même sort les attend. J'aime encore la réponse de l'interprète hollandais quand ils lui ont demandé pour la première fois s'il pouvait partir. Il leur a dit « Si vous êtes un oiseau, vous pouvez aller au Japon. Mais ce n'est pas la coutume de notre pays de laisser partir des étrangers. » La même chose s'est produite ici, au palais. Une nouvelle fois, ils ont demandé au roi « Pouvons-nous aller au Japon ?» Et bien sûr, il a dit « Non, on ne peut pas vous laisser partir. » Lors de cette audience à la cour, le roi Yojong, curieux, fait passer un interrogatoire à ces étrangers à la peau pâle. Le roi Yojong a fait venir les marins hollandais à Séoul parce que je crois qu'il espérait obtenir des informations de leur part, comme il en avait reçu de l'interprète Pak Yon. Mais le roi s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas en apprendre grand-chose. Et il a décidé d'en faire ses gardes, de façon à leur donner une fonction. De cette façon, ils recevaient un salaire sous forme de riz. Et pour le reste, ils devaient se débrouiller par eux-mêmes.
De l'audience royale, on ne connaît que ce que Hendrik Hamel en dit. Il nous commanda de faire en sa présence les choses que nous savions le mieux, comme de chanter, de danser et de sauter à notre mode. Puis il nous fit donner à manger assez bien à leur manière. Et distribuer aussi à chacun 2 pièces de toile pour nous habiller à leur mode. Commence alors 13 années de liberté surveillée. Au départ, certains marins tentent de s'échapper par tous les moyens. Les nobles de la dynastie Joseon conseillent alors au roi de se débarrasser de ces encombrants étrangers. Mais le monarque est magnanime. Il envoie Hendrik Hamel et ses compagnons en exil dans le sud du pays. Là-bas, les hommes, qui maîtrisent désormais le coréen, s'intègrent complètement à la société locale. On suppose que Hendrik Hamel et les autres marins étaient mariés et avaient des enfants, en particulier dans le sud de la Corée. Car si vous allez là-bas, vous pourrez trouver des gens aux cheveux blonds et aux yeux bleus. En 1666, 8 des Hollandais, dont Hendrik Hamel, réussissent à acquérir un bateau de pêche et à prendre le large. Par un heureux hasard, ils sont arraisonnés par un navire japonais et transférés au comptoir hollandais de Nagasaki. Cloîtré dans cette petite île pendant 1 an, Hendrik Hamel est chargé de retranscrire son odyssée pour le compte de la compagnie néerlandaise des Indes orientales. Son rapport deviendra la relation du naufrage d'un vaisseau hollandais sur la côte de l'île de Quelper. Le livre a été un best-seller. Pendant 250 ans, le rapport d'Hendrik Hamel, et c'est ce qui le rend important, a été le premier et le seul récit d'un témoin direct de la vie en Corée. Traduit dans plusieurs langues et parfois agrémenté d'animaux exotiques, le témoignage inédit de ce Marco Polo hollandais a motivé plus d'un voyageur occidental à se rendre en Corée. Et voilà, invitation au voyage, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain pour 3 nouvelles destinations. D'ici là, le voyage continue, mais de manière virtuelle grâce aux réseaux sociaux. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page Facebook de l'émission. Vous êtes également de plus en plus nombreux à nous suivre sur Instagram. Merci beaucoup. Allez, très bonne journée. Bis bald.